Bonjour, je m'appelle Dave. Très heureux de vous retrouver sur Mélodie qui m'a fait le plaisir de me demander de vous présenter une toute nouvelle émission, Les parents de la télé. Pourquoi les parents de la télé? Eh bien parce qu'il s'agit de ces personnes de la télévision qui ont eu des idées, qui ont eu des concepts pour faire des émissions que vous aimez tant, qui ont enfanté, donné naissance à ces émissions-là. Et voilà pourquoi les parents de la télé. Par exemple, l'incroyable Guy Lux, l'inoubliable Pascal Sevran, l'éternel Michel Drucker et le merveilleux carpentier maritier Gilbert, Daniel Gilbert, qu'on aime tant. Et puis aujourd'hui, j'aimerais vous parler un peu, beaucoup plus en détail, de Jacques Martin. Jacques Martin, né en 1933 à Lyon. Alors permettez-moi, quand je parle de Lyon, de vous citer Mick Michel qui était vraiment là au début de ma carrière. Mick Michel, une des premières auteurs de chansons, pour les femmes en tout cas. Un gamin de Paris, c'est tout un poème. Et puis, soyez un peu plus actuel, Laurent Gérard aussi. Jacques Martin était le fils d'un industriel, mais c'était aussi un musicien qui jouait 7 instruments de musique. Donc on peut dire qu'il est né dans une ambiance d'artiste quelque part. Quant à sa mère, elle s'appelait Ducerre et elle était la fille du chef de cuisine de tsar Nicolas II. Nicolas II, le dernier tsar de la Russie. Souvenez-vous d'Anastasia, de Rasputin, incroyable époque de la Russie. Et la cuisine est vraiment dans les gènes de famille Martin. Pensez à David, que vous connaissez évidemment bien comme cuisinier. À 16 ans, il suit des cours de théâtre et je pense vraiment qu'il aurait pu être un immense comédien et même un grand chanteur aussi. Il jouerait dans une dizaine de films, rendez compte, entre 62 et 82, puis il a enregistré beaucoup de disques aussi. Mais, et tant mieux pour nous, il a trouvé sa voix à la télévision. À la fin des années 50, il a le courage de quitter Lyon. Avec sa petite valise en carton, mais on avait tous des valises en carton à cette époque-là, et moi j'en ai encore un à la maison d'ailleurs. Il commence donc sa carrière à Télé-Strasbourg parce que là-bas il a dû se faire réparer dans un cabaret satirique alsacien, évidemment puisqu'on est à Strasbourg. Et il va animer sa première émission de télé, pas très chaud, et on peut vous le prouver parce qu'on a les images. Vas-y, c'est à toi. Les grilles, c'est à toi. Ah, tu dors. Voici une émission de variété. C'était le Strasbourg qui vous l'a préparé. Vous allez rire. Vous allez rire. Vous allez éclater de gaieté. Bien sûr. Bien sûr, ce n'est pas aussi drôle qu'à Paris. Parce qu'à Paris, il y a des étoiles dans le firmament. C'est la province. C'est la province. Je sais que c'est la province. Donc ce n'est pas très bon. Mais ici, c'est la province. Donc, c'est moins bon qu'à Paris. Voici, voici.